J'ai l'âme d'une femme, le cœur d'un soldat. J'ai des fleurs dans ma lame, du fer dans ma soie. J'ai l'âme d'une femme, le cœur d'un soldat. Peu importe que me blâme les Judas. Le secret du roi. J'ai l'âme d'une femme, le cœur d'un soldat. Je suis c'est là mon drame, je suis moi, la pucelle de tonnerre qui fend les langues de vipère. L'animal amphibie qui pourfend de sa rapière. Court jusqu'en France que vous êtes une femme. Ah bon, regardez, j'ai moi-même des doutes. Et qu'en dites-vous, monsieur de Beaumarchais? On vous dit l'esprit vif et vous butez sur une question aussi simple. Un modeste barbier saurait répondre. C'est que la réponse est plus importante que la question. Elle mérite réflexion, ne pensez-vous pas, mon ami? Y a-t-il un E à votre ami? Vous doutez. Je vous croyais pourtant homme de lettres. C'est que votre alphabet est troublant, chevalier, et les accords de genre difficiles. Eh bien, monsieur de Beaumarchais, dites-vous que je suis un être singulier, féminin, pluriel, dont le masculin l'emporte. Dame. C'est cela, ou pas. Peu importe. Négocions, voulez-vous. Pour information, négociation est un mot féminin. À coup sûr. L'offre du roi est simple. Vous me remettez les documents d'invasion, et je vous libère de votre exil. Est-ce tout? L'exil a du bon, vous savez. Il vous tient à l'écart. Et vous protège des assauts des bacs comme le sable pour les îles. Votre offre devra sonner davantage à mes oreilles. Revenez me voir, monsieur, quand vous aurez appris à multiplier vos gages et vos marques de respect.